Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du 15 septembre 2020. Alors, nous sommes présentement à l'Hôtel de Ville en visioconférence, pardon. Vous voyez un peu notre nouveau décor. Et comme je le disais, nous sommes en visioconférence pour des raisons fort évidentes. Si vous avez suivi l'actualité des derniers jours, notamment aujourd'hui. Les élus sont évidemment par téléphone. Alors, on va débuter cette séance-là. Avant de débuter, de prendre la présence, je me dois de soutenir. De faire un rappel du point de presse de notre premier ministre au niveau de la santé publique. Je vous demande, s'il vous plaît, à tous ceux qui nous écoutez et partagez la nouvelle, s'il vous plaît, d'être vraiment très, très prudents. Pas question d'être alarmiste, mais on voit les foyers de contagion qui se passent un peu partout. 75% du Québec est en code jaune présentement. Ce n'est pas le cas dans les Laurentides, ce n'est pas le cas à Saint-Jérôme, mais je pense qu'on doit être plus prudent que jamais. Alors, s'il vous plaît, respectez les consignes de santé publique et au moindre doute, il faut se faire tester. Alors, voilà. Alors, pour débuter, je vais prendre les présences, évidemment. Donc, j'y vais avec les noms tels que je les ai. Donc, Mme Mylène Laframboise. Présent. Merci, Mme Laframboise. Mme Sophie Saint-Gelais. Présent. Merci beaucoup, Mme Saint-Gelais. Mme Chantal Lambert. Présent. Merci, Mme Lambert. Mme Janice Belair-Rolland. Présent. Merci, Mme Belair-Rolland. Mme Joanne Dicker. Présent. Merci, Mme Dicker. Mme Nathalie Lassalle. Présent. Merci, Mme Lassalle. Monsieur François Poirier. Présent. Merci, Monsieur Poirier. Monsieur Éric Bac. Présent. Merci, Monsieur Bac. Monsieur Benoît Delage. Présent. Merci, Monsieur Delage. Monsieur Benoît Beaulieu. Présent. Merci, Monsieur Beaulieu. Monsieur Gilles Robert. Présent. Merci, Monsieur Robert. Et Monsieur Bernard Bougie. Présent. Merci beaucoup. Alors, tous les élus sont présents. Merci à vous tous. Alors, j'aimerais avoir un proposeur pour l'ouverture de la séance, s'il vous plaît. Bernard Bougie, je propose. Merci, Monsieur Bougie. Maintenant, le point 1.2, question du public. Donc, j'ai quelques questions ici. Je vais commencer immédiatement. Merci aux gens qui ont fait parvenir, évidemment, les questions. La première vient de Mme Suzanne Chénier, du regroupement des usagers de transport adapté collectif de la MRC de la Rivière-du-Nord. Peut-être un rappel pour les élus, si vous pouvez mettre votre téléphone en mode muet, s'il vous plaît, pour pas qu'on entende tout ce qui se passe autour de vous. Merci à l'avance. Donc, la question est de Mme Chénier. Bonsoir, Mme Chénier, j'espère que vous allez bien. C'est concernant le déneigement des trottoirs. Mme Chénier m'a fait parvenir une documentation provenant de la ville de Longueuil. Il y a présentement un débat à Longueuil, là, à savoir là, pour couper des trottoirs sur le déneigement ou pas. Mais je ne veux pas me mêler, évidemment, de ça. Ça ne me regarde pas. Ce sont les élus de Longueuil qui vont gérer ça. Je tiens juste à vous rassurer, Mme Chénier, on n'est pas dans ce débat-là. D'ailleurs, notre service technique va nous faire ses recommandations annuelles avant la période hivernale. Et comme vous le savez, on n'est pas en mode de couper des déneigements de trottoirs. On en a même rajouté l'année dernière. Et puis, dans tous les cas, je tiens à vous rassurer, on va vous consulter parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur. Donc, voilà, Mme Chénier, merci beaucoup. La prochaine question vient de M. David Marcillo, de la rue Charbonneau. Alors, je le lis. « Monsieur Maher est membre du conseil de ville. Je vous contacte concernant un projet immobilier développé par le groupe Marcillo, qui a été porté à l'attention du conseil les mois derniers. La constance dans le développement du projet nous permet encore d'envisager un début des travaux au printemps 2021. Merci à votre équipe et au département d'urbanisme pour la rapidité à avoir reçu nos questions précédentes. Merci également aux recherches préliminaires et aux échanges avec le Bureau de développement économique de la ville. » Suite aux recherches préliminaires effectuées par l'ingénierie, il a été mis en lumière que la rue adjacente au projet de la rue Brière avait des infrastructures sanitaires combinées désuètes, ne permettant pas a priori d'accueillir le projet soumis. Il est attendu qu'une gestion intelligente des eaux fluviales doit être incluse dans notre projet, d'une part, et que le réseau des eaux usées doit être fait sur la rue Brière. On a d'ailleurs déjà fait des travaux à ce niveau-là. Grâce à deux réseaux d'égouts distincts, l'eau fluviale étant à part ne surcharge pas le réseau des eaux usées. Un choix écologique, énergétique sur la quantité des traitements des eaux et permettant le développement de nouveaux projets dans le secteur. La question est la suivante. Seriez-vous enclin à motiver la motivation à mise à jour du réseau désuet de la rue Brière afin d'accueillir ce nouveau projet de développement?
Mais je tiens à vous assurer, dans tous les cas, les recommandations pour les infrastructures, les travaux importants au niveau de notre réseau d'aqueduc proviennent de notre service d'ingénierie. Donc, votre demande a été bien perçue et dans tous les cas, évidemment, on va mettre une priorité là où il y a du développement important pour qu'on puisse évidemment équilibrer bien notre réseau. Donc, merci beaucoup de votre question et on va communiquer avec vous très rapidement. Mais dans tous les cas, nos services d'ingénierie s'attaquent aux vieilles parties du réseau. On a déjà fait des travaux sur la rue Brière et on va amener votre demande rapidement. Je vous remercie. La prochaine question vient de M. Jean-Claude Hébert de la rue Marc. Vous souhaitez construire un soccerplex sans partenaires municipaux. Vous n'avez pas d'entente avec le scolaire pour les heures d'utilisation le jour. Aucune discussion à date. Vous voulez un stand intérieur à 11 joueurs. Je comprends que vous n'aviez pas une étude de faisabilité dans ces conditions ou un plan d'affaires. Peut-on parler de gestion en bon père de famille? Ben, écoutez, M. Hébert, je vais répondre à la fin de votre question qui est écrite en gras d'ailleurs. Peut-on parler de gestion en bon père de famille? On s'apprête à déposer bientôt au travers sur un sixième budget où on recommande un gel de taxes, donc un six budgets en huit ans qui sont un gel de taxes. La dette est présentement à la baisse. On est parmi les villes comparables qui ont la plus petite croissance des dépenses. Et on a généré une croissance économique hors du commun. On va d'ailleurs battre des records cette année. Et l'année dernière, on a généré un surplus de 9 millions qui équivaut à peu près à 5 % du budget d'opération. Donc, je considère que toutes ces performances-là, c'est de gérer en bon père de famille. Concernant le soccerplex, bien, je pense, moi, je vous invite à vous approprier le projet. Je comprends que vous avez travaillé fort, vous étiez 6-7 personnes à vouloir mobiliser la population contre ce projet-là. Écoutez, il y a eu 96 personnes qui ont signé le registre. Donc, je vous invite à prendre acte, M. Hébert. Et on se connaît bien, on pourra jaser ensemble. Puis je vous invite à vous approprier ce projet-là parce que je respecte votre choix. Mais moi, je pense que de développer des infrastructures, en fait, rattraper le déficit d'infrastructures sportives que nous avions, va permettre justement d'offrir à nos jeunes, à nos familles, des plateaux sportifs et de participer à des programmes sport-études. D'ailleurs, contrairement à ce que vous dites, on a des bonnes ententes avec la commission scolaire. Depuis 2014, on a près de 800 étudiants qui sont dans le programme sport-études. Alors, ça, c'est géré en bon père de famille, de s'assurer que nos enfants, nos jeunes, nos familles sont sur des plateaux sportifs et non dans la rue. Alors, je vous tends la main à vous approprier du projet. Je pense que par le passé, vous étiez un ancien professeur d'éducation physique. Je suis convaincu que vous allez devenir notre meilleur ambassadeur, M. Hébert. La prochaine question, M. Michel Bernatchez, de la rue La Montagne. La question est la suivante. Bonjour, M. Maire. Serait-il possible de prévoir l'installation d'un plateau de ralentissement sur la rue La Montagne entre le 451 et le 455 de la rue La Montagne? La vitesse moyenne des automobilistes est plus de 55 km pour ceux qui se dirigent vers l'autoroute 15. Cette vitesse amène des bruits qui occasionnent de l'inconfort à tous les résidents du secteur. Merci de prendre cette demande en considération. Écoutez, ce n'est pas compliqué. On va mettre à niveau 4 plateaux de ralentissement sur la rue La Montagne, selon les normes du ministère, évidemment, qui sont de mémoire 100 mm de hauteur, là, qui sont les normes prescrites. Donc, ça va sûrement, ça va être grandement les résultats de la rue La Montagne. Et d'ailleurs, on sait qu'on a déjà eu une baisse de circulation importante. Mais soyez rassurés, les travaux vont se faire dès cet automne. Donc, merci à M. Bernatchez. La prochaine question vient de M. André Bédard de Place Linda. Donc, bonsoir, j'aimerais savoir si le dossier rue La Montagne et Place Linda égout pluvial a avancé. Avez-vous refait les plans où vous êtes, où vous en êtes rendu à la soumission? Merci. Bien, écoutez, M. Bédard, bonne nouvelle. On vient d'adopter le plan triennal d'immobilisation et les projets étaient à l'intérieur. Et d'ailleurs, on va faire les travaux dès 2021. Donc, bonne nouvelle pour vous. Les travaux vont se faire dès 2021. Ils ont été déjà adoptés. Et probablement que les gens vont contacter avec vous là, pour le détail. Alors, merci. Prochaine question de M. Michel Rioux de la rue de Rochechouart. La question est la suivante. Pardon. Je fais du vélo sur la piste du Titain du Nord. Je remarque qu'entre Rosemère et Saint-Jérôme, l'état de la piste est le pire dans Saint-Jérôme. Il y a des fissures dans la chaussée, clôtures croches et herbes longues au bord de la piste. La ville de Saint-Jérôme comptait investir pour apporter des correctifs ou faire des pressions aux responsables de son entretien. Bien, je tiens à vous rassurer, M. Rioux, puis je vous connais, sachant que ces questions-là viennent de vous. Vous êtes un grand cycliste. Je sais que vous parcourez beaucoup de kilomètres par année. En fait, deux,
trois volets à votre réponse, là, où les travaux vont être faits. C'est fait par la MRC. Donc, c'est la MRC qui fait l'entretien de la piste cyclable. Nous, on a un petit volet dans certains coins pour l'asphalte. Et pour le reste, il y a une partie, c'est avec la RTM pour le volet. Il y a une clôture, je pense, qui est abîmée. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi, le fait que vous avez déjà envoyé votre question à l'avance. On a déjà contacté la MRC. Ils sont déjà au travail. Et une bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a reçu des sommes, une subvention quand même importante. Et on a 65 000 $ de subvention simplement pour le pavage. Donc, les gens sont déjà avisés. Exo est déjà avisé pour la clôture, donc les travaux ont été faits rapidement. Donc, retenez que ce sont les MRC qui s'occupent de l'entretien du parc selon leur portion au niveau des 200 km. Prochaine question. Bien, en fait, les deux prochaines questions, c'est sur le même thème. Je vais les lire ensemble. Je vais vous donner. J'avais déjà répondu à la séance passée. La première, c'est de M. Marc-Olivier Neveu de la rue de la Charente. Bonsoir, M. Maher. Votre administration a fait le choix de ne pas rendre présentiel les séances du conseil municipal jusqu'à l'année prochaine sous prétexte de protéger les pompiers ainsi que l'accessibilité par Internet aux séances du conseil municipal. Pourtant, des villes comme Saint-Colomban, Boisbriand, Mont-Laurier ainsi que Terrebonne tiennent à nouveau leurs séances du conseil municipal en présentiel. Elles font face aux mêmes enjeux que Saint-Jérôme quant à la sécurité ainsi que la santé publique. Alors que des plexiglas ont été installés dans la salle du conseil municipal de Saint-Jérôme et qu'il est possible de respecter les mesures de distanciation sociale, les normes sanitaires en vigueur, pourquoi ne pas rendre à nouveau présentiel dès cet automne les séances du conseil municipal? On va te donner la même réponse. Je vais répondre. Je vais lire la question de M. Michel Gagnon de la rue La Montagne. Qui, bonjour, M. le maire et conseiller et conseillère, pourquoi vous n'ouvrez pas les séances au public comme tous les autres municipalités? Monsieur le maire, vous répondez aux questions, mais nous pouvons nous exprimer de votre réponse. Où est la démocratie? Merci, bonne soirée. D'ailleurs, toujours se rappeler que vous pouvez toujours aussi appeler votre conseiller municipal si vous avez vraiment voulu une interaction. Je vais vous lire la réponse officielle parce qu'elle est très importante. D'ailleurs, j'étais un peu surpris de voir ces questions-là avec l'actualité des derniers jours au niveau de la pandémie. Donc, en raison de la situation extraordinaire que nous vivons, il a été décidé de continuer de tenir les séances du conseil municipal dans leur format virtuel actuel pour le restant de l'année. Les citoyens participent bien à la démocratie municipale. Nous avons d'ailleurs plusieurs questions du public à chaque séance. La salle où se déroule les séances du conseil à l'Hôtel de Ville pourrait accueillir, en raison de la distanciation physique nécessaire, une dizaine de personnes, seulement d'entre eux. Considérant que les séances attirent plusieurs citoyens, il faudrait refuser l'accès à un nombre important d'entre eux pour des raisons de logistique, de disponibilité et de coût. Nous n'envisageons pas de louer une salle chaque mois. Ultimement, notre objectif est d'éviter à tout prix des occasions de rassemblement qui pourraient faire en sorte que Saint-Jérôme devienne un foyer d'éclosion. On le voit présentement, il y a des éclosions partout. Rappelons que Saint-Jérôme a annulé tous ses événements publics. Nous sommes toujours en pandémie et il faut se préparer à faire face à une éventuelle deuxième vague. Plusieurs villes ont fait le même choix. Alors, contrairement à ce que vous dites, messieurs, il y a la ville de Saint-Eustache, de Laval, de Repentigny, de Longueuil, de Montréal, de Québec, Joliette. J'ai mentionné Laval, qui fait exactement comme nous. Alors, je pense que c'est vraiment l'actualité présentement nous donne raison. Alors voilà, c'était les questions que j'avais. Merci à vous tous d'avoir fait parvenir vos questions. Comme vous le voyez, lorsqu'on les reçoit d'avance, ça me permet d'aller chercher aussi les réponses pour pouvoir vous répondre le plus précisément possible, évidemment. Alors, on va passer au point 3, qui est l'adoption de l'ordre du jour. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Sophie Saint-Gelais, j'en fais la proposition. Merci, Mme Saint-Gelais. Est-ce que le vote est demandé pour 1.3? Sinon, on va passer à 1.4. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 25 août 2020. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Sophie Saint-Gelais, j'en fais la proposition. Merci, Mme Saint-Gelais. Est-ce que le vote est demandé pour 1.4? Sinon, on va aller à 1.5, qui sont les dépôts pour les procès-verbaux du comité exécutif du 10, 17, 24 et 31 août 2020 et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 août 2020. Est-ce qu'on a bien les documents, Mme Lagraffière? Oui, Monsieur le maire. Je vous remercie beaucoup. On y va maintenant. Écoutez, on a une petite séance ce soir. On a deux points ici, 2.1. Adoption du règlement 0280-130, amendant le règlement 280-000 concernant la circulation et le stationnement tel que déjà amendé. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Je m'excuse. Madame Lagraffière, vous devez intervenir, je pense. Oui, s'il vous plaît. Effectivement, c'est un amendement au règlement 280 sur la circulation
qui modifie plusieurs annexes. L'annexe 1 pour les panneaux d'arrêt, l'annexe 3 pour les feux de circulation et autres signaux lumineux, l'annexe 6 pour l'interdiction de stationner sur certains chemins publics, l'annexe 10 concernant les zones de débarcataires et des véhicules routiers affectés au transport public des personnes, l'annexe 11, le stationnement à durée déterminée, l'annexe 13 pour le stationnement pour handicapés sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler, l'annexe 20 concernant l'octroi du droit exclusif de stationner à certains groupes, l'annexe 24 pour les passages pour piétons, l'annexe 26 pour les voies cyclables, l'annexe 28 pour l'arrêt interdit sur marquage et l'annexe 29 pour les panneaux de direction des voies. Merci beaucoup, Mme la greffière. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Bernard Bougie, je propose. Merci, M. Bougie. Est-ce que le vote est demandé pour 2.1? Sinon, on va aller à 2.2. Présentation, dépôt d'un projet de règlement et avis de motion. Règlement amendant le règlement 604-000, appropriant 4,5 millions pour la création d'un fonds de roulement à même le surplus accumulé non affecté, tel que déjà amendé. J'aimerais avoir un avis, s'il vous plaît. Chantal Lambert, j'en donne l'avis. Merci beaucoup, Mme Lambert. En fait, on va faire passer le fonds de roulement de 4,5 à 6 millions, qui est évidemment une très bonne décision. On va passer maintenant à quelques points de zonage. Il y a plusieurs lectures. Donc, à 3.1, dépôt des certificats relatifs aux consultations publiques écrites en vertu de l'arrêt ministériel 2020-049, tenu le 26 août au 10 septembre 2020, et dépôt des certificats relatifs aux demandes citoyennes de tenue de scrutin référendaire sur des modifications au règlement d'urbanisme tenu le 26 août au 10 septembre 2020. Est-ce que vous avez bien les documents, Mme Lagrapierre? Oui, absolument. Oui. Je vous remercie beaucoup. On va passer maintenant au point 3.2. Adoption du règlement 0308-031, amendant le règlement 308-000, relatif à l'urbanisme et la sécurité incendie, tel que déjà amendé, PA 308-031. Je pense que vous devez intervenir, Mme Lagrapierre. Oui, il s'agit d'une modification des dispositions relatives à certaines amendes, notamment celles concernant les travaux d'excavation par sautage. Merci beaucoup, Mme Lagrapierre. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. François Poirier, je propose. Merci, M. Poirier. Est-ce que le vote est demandé pour 3.2? Alors, on va aller à 3.3. Pour l'adoption du règlement 0309-453, amendant le règlement 309-000 sur le zonage tel que déjà amendé, PA 309-453. Là aussi, je pense que vous devez intervenir, Mme Lagrapierre. Oui, le règlement vise à permettre un projet de développement au sud du boulevard de la Salette et dans le secteur Maisonneuve. Merci beaucoup. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Janice Bélair-Rolland, nous sommes dans le bois de la Salette. Absolument. Merci beaucoup, Mme Bélair-Rolland. Est-ce que le vote est demandé pour 3.3? Sinon, on va à 4.4. Pour l'adoption du règlement 309-454, amendant le règlement 309-000 sur le zonage tel que déjà amendé, PA 309-454. Là aussi, je pense que vous devez intervenir, Mme Lagrapierre. Oui, effectivement, c'est pour permettre une nouvelle école élémentaire dans les zones H1075, H1087 et H1088. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais avoir un proposeur pour 3.4, s'il vous plaît. Janice Bélair-Rolland, j'en fais la proposition. Merci, Mme Bélair-Rolland. Est-ce que le vote est demandé pour 3.4? 3.5, adoption du règlement 309-455, amendant le règlement 309-000 sur le zonage tel que déjà amendé, PA 309-455. Là aussi, je pense que Maître Larocque, vous devez intervenir. Effectivement, c'est pour l'implantation d'une nouvelle école élémentaire dans les zones H2099.1, H2009.2 et P2009.4. Merci beaucoup. On est au coin de la rue Bélanger. Alors, j'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Éric Bach, je propose. Merci, M. Bach. Est-ce que le vote est demandé pour 3.5? Alors, 3.6. Adoption de la résolution concernant un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble PPC-MOI de la Ville de Saint-Jérôme en vertu du règlement 319-000, PPC-MOI 2020-0035 pour le 70 sur la 116e avenue pour le lot 4035-210, 5331-431 et 5331-432 du Canal du Québec. Pour les gens qui nous écoutent, on est sur l'ancien site, on est sur le site où était la Caravelle à l'époque. Alors, j'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Mme Laframboise, j'en fais la proposition. Merci, Mme Laframboise. Est-ce que le vote est demandé pour 3.6?
Alors, à 3.7, adoption d'un projet de résolution concernant un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPCMOI de la ville de Saint-Jérôme en vertu du règlement 319-000, PPCMOI 2020-000-85, pour la rue du Dr Charles-Léonard pour le lot 60-6052-883, 60-52884, 60-52887, 623-308 et 634-963 du canal du Québec. C'est pour l'ajout d'une tour de télécommunication. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Chantal Lambert, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Lambert. Est-ce que le vote est demandé pour 3.7? Alors, on va aller avec quelques dérogations mineures. À 3.8, une dérogation mineure DM 2020-0073 pour le 37 à 43 de l'Annonciation pour le lot 4474-760 du Canada du Québec. Ça consiste à autoriser pour la propriété située au 37 à 43 rue de l'Annonciation, une marge latérale totale de 4,92 mètres, alors que la marge latérale totale minimale au règlement de zonage 309-000 est de 9 mètres. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Sophie Saint-Gelais, j'en fais la proposition. Merci, Mme Saint-Gelais. Est-ce que le vote est demandé pour 3.8? Alors, à 3.9, une dérogation mineure, DM 2020-0080, pour le 45 rue Saint-Joseph-Aubin, pour le lot 523-378 du cadastre du Québec. Ça consiste à autoriser pour la construction d'une véranda attenante à une résidence unifamiliale isolée en salle de mur latérale à 4,88 mètres, alors que le seuil maximal permis est de 3 mètres. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Éric Bach, je propose. Merci, M. Bach. Est-ce que le vote est demandé pour 3.9? À 3.10, nous avons une dérogation mineure DM 2020-0082 pour le 680 de la rue Labelle pour le lot 262-842 du Canada du Québec. Au lot 262-842 du Canada du Québec, ça consiste à autoriser l'installation d'une clôture dans la marge avant et à la cour avant du bâtiment Gemix pour les gens qui connaissent bien le coin, alors que cela est prohibé. Alors, j'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Bernard Bougie, je propose. Merci beaucoup, M. Bougie. Est-ce que le vote est demandé pour 3.10? À 3.11, dérogation mineure DM 2020-0084 pour le 66 rue Clavel pour le lot 4033-560 du cadastre du Québec. Ça consiste à l'agrandissement d'un bâtiment principal de type maison unifamiliale, empiétant de 12,82 mètres dans la marge latérale, 16,97 mètres dans la marge latérale totale et 7 mètres dans la marge arrière alors que cela est prohibé. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Mylène Laframboise, j'en fais la proposition. Merci, Mme Laframboise. Est-ce que le vote est demandé pour 3.11? Alors, on poursuit à 3.12 pour une dérogation mineure encore DM 2020-0086 pour le 946 rue Dalhousie pour le lot 39441. Je recommence pour le lot 39444441, je m'excuse, du Canada du Québec. Ça consiste à autoriser sur le mur à 20 % de revêtement extérieur de maçonnerie de 56 %, alors que pour tous les murs faisant face à une voie publique, le pourcentage de maçonnerie minimale est de 75 %, et sur le mur avant secondaire, un pourcentage de revêtement extérieur de maçonnerie de 72 %, alors que pour tous les murs faisant face à une voie publique, le pourcentage de maçonnerie minimale est de 75 %. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Janice Belair-Roland, j'en fais la proposition. Merci, Mme Belair-Roland. Est-ce que le vote est demandé pour 3.12? Pardon. Donc, à 3.13, toujours une dérogation mineure DM 2020-0087 pour la propriété qui serait située sur la rue Claude-Audy pour le lot 6380-286 du cadastre du Québec. C'est pour la construction du nouveau bâtiment de l'Institut du véhicule innovant. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Janice Belair-Roland, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Belair-Roland. Est-ce que le vote est demandé pour 3.13? On termine au niveau des dérogations mineures, avec 3.14. Dérogation mineure DM 2020-0090 pour le 357 Place du Curé-Labelle, pour le lot 3513-630 du Cadal du Québec. C'est pour l'installation d'une génératrice pour la cathédrale. Alors, j'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Benoît Delage, je fais la proposition. Merci beaucoup, M. Delage. Est-ce que le vote est demandé pour 3.14?
Sinon, on va aller à 4.1 et on va être avec vous, M. Poirier. Pour les demandes de permis dans le cadre des plans d'implantation et d'intégration architecturale, en fait, on a trois projets. Alors, je ne sais pas, je vous passe la parole, M. Poirier. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Donc, oui, François Poirier, je propose trois points. Tel que mentionné, une dérogation mineure pour la cathédrale, effectivement, ce point a été analysé aussi dans le cadre pour dissimuler la génératrice, donc un aménagement paysager. Donc, c'est un des points en PIA, compte tenu, c'est un bâtiment patrimonial. Donc, on veut essayer de faire en sorte que la génératrice soit le moins visible possible. Le deuxième point, c'est concernant la microbrasserie Dieu du ciel. C'est une modification à la demande initiale. Il y a eu des modifications pour l'enseigne. Donc, ça va être brasserie Dieu du ciel, pub, boutique. Et le dernier point, c'est concernant le 225 de la gare. C'est pour des rénovations extérieures pour le centre de bénévolat Saint-Jérôme. Merci beaucoup, M. Poirier, pour ce beau résumé. Alors, est-ce que le vote est demandé pour 4.1? Alors, nous poursuivons avec quelques points au niveau des paiements divers. Donc, à 5.1, dépôt, liste des contrats octroyés par le comité exécutif et liste des dépenses contenues dans le registre des chèques pour le mois d'août 2020. Est-ce qu'on a bien les documents, maître? Oui, on les a. Merci beaucoup. Donc, maintenant, 5.2, rapport sur la délégation de pouvoir pour la liste des commandes en variation budgétaire pour le mois d'août 2020. J'aimerais avoir un proposant, s'il vous plaît. Chantal Lambert, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Lambert. Est-ce que le vote est demandé pour 5.2? Et à 5.3, c'est un dépôt, rapport sur la délégation de pouvoir, liste des consommations de produits en inventaire pour le mois d'août 2020. On a bien les documents, Maître Larocque? Oui, ça. Merci beaucoup. Et 5.4, pour une modification à l'envergure d'un contrat numéro 1 pour les services professionnels d'évaluation foncière du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, 2019, HP 001. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Chantal Lambert, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Lambert. Est-ce que le vote est demandé pour 5.4? Et on va à 5.5 pour transfert de l'excédent cumulé non affecté à des excédents affectés à des réserves financières. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Chantal Lambert, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Lambert. Est-ce que le vote est demandé pour 5.5? Alors, à 5.6, transfert de crédit, modification au fonds de roulement. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Chantal Lambert, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est pour procéder à l'achat de pompes submersibles afin de procéder au remplacement des pompes désuètes à l'usine de filtration. Donc, est-ce que le vote est demandé pour 5.6? Nous allons poursuivre avec quelques adjudications de soumission. À 6.1, adjudication de contrat, achat des installations de deux unités de stockage SAN 2020-BS-077. On parle ici de projet informatique. J'aimerais avoir un proposant, s'il vous plaît. Hélène Laframboise, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Donc, il y avait une estimation à 217 000 $. Ça a été octroyé à 141 759 $. Option de contrat de support pour la quatrième et cinquième année. Donc, on ajoute 22 880 $. Est-ce que le vote est demandé pour 6.1? Et à 6.2, option de prolongation de contrat et modification de l'envergure d'un contrat pour les services professionnels pour l'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux usées 2018 à 2020 pour l'option 2021-2022, 2017-6005. Donc, essentiellement, le contrat était du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2020 pour 248 953. Il y a une année d'option qui va du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, où on rajoute 11 497, qui fait un grand total de 269 995. J'aimerais avoir un proposant, s'il vous plaît. Éric Bach, je propose. Merci, M. Bach. Est-ce que le vote est demandé pour 6.2? 6.3, option de prolongation de contrat d'achat regroupé d'habits de combat pour les pompiers pour le 1er mai 2018 au 30 avril 2020, avec deux années d'option 2021 et 2022. Donc, essentiellement, le contrat était du 1er mai 2018 au 30 avril 2020 pour 89 441, plus deux options, une du 1er janvier 2021 au 30 décembre 2021 pour 70 134 $, et une deuxième option du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2020 pour 36 820 $, qui fait un grand total de 106 955, qui va nous permettre d'acheter une trentaine d'habits de combat de pompiers pour notre service de sécurité incendie. Alors, je regarderai dans votre direction, M. Beaulieu, pour avoir un proposeur, s'il vous plaît. Oui, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Est-ce que le vote est demandé pour 6.3? Et à 6.4, adjudication de contrat pour l'achat de chlorure de sodium, sel de déglaçage de chaussée, incluant le transport pour la saison 2020-2021, 2020-BS-051 pour le CS 2020-2021. Donc, c'est un contrat de 5 ans avec une estimation de 804 825 $ qui est octroyé à 690 861. Pour les gens qui nous écoutent, bon an, mal an, c'est 5000 tonnes métrique à 85,84 $ de la tonne métrique. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Éric Bach, je propose. Merci, M. Bach. Est-ce que le vote est demandé pour 6.4? Et à 6.5, adjudication de contrat pour le contrat d'assurance de dommages pour l'année 2020-2021, police d'assurance qui date pour le 1er juin 2020, au 1er juin 2021 pour un montant de 274 555. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, Chantal Lambert. Merci, Mme Lambert. Est-ce que le vote est demandé pour 6.5? Alors, on va poursuivre avec 7.1 pour une nomination de la rue Monique-Harvey dans le secteur de Bellefeuille. Alors, j'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît, pour la nomination de cette nouvelle rue. Janice Belair-Roland, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Belair-Roland. Est-ce que le vote est demandé pour 7.1? Et on va rester avec vous, Mme Belair-Roland, pour 7.2, pour modification et nomination de la rue George Thurston pour le secteur centre Saint-Jérôme. Alors, j'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Janice Belair-Roland, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Belair-Roland. Est-ce que le vote est demandé pour 7.2? Et 7.3, autorisation d'emprunt temporaire pour le règlement numéro 907-000, 901-000, 903-000, 908-000 et 891-001. J'aimerais avoir un proposeur, s'il vous plaît. Hélène Laframboise, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Laframboise. Est-ce que le vote est demandé pour 7.3? Et finalement, 7.4, dépôt des certificats relatifs à la tenue des registres des signatures des personnes habiles à voter sur les règlements du numéro 907-000, 868-001, 901-000, 903-000, 908-000, 622-002, 858-001 et 891-000. Est-ce qu'on a bien les documents, Mme Lagrapierre? Oui, nous les avons. Merci beaucoup. Écoutez, on n'a pas de point au niveau du capital humain. Évidemment, période de questions, on a déjà parlé. On va faire, nous, notre revue avec les journalistes jeudi. Alors, écoutez, parole au conseil. Alors, les élus, allez-y comme bon le semble. Puis, s'il y a du monde qui arrive en même temps, je dirigerai la parole. Alors, je vous écoute. François Poirier. Je vous écoute, M. Poirier. Bon, M. le maire, j'aimerais discuter du développement économique de notre ville. Oui. Donc, en date d'aujourd'hui, le service de l'urbanisme a émis 178 millions en valeur en 2020, comparativement à 108 millions en 2019. Donc, malgré le contexte difficile en lien avec la COVID, c'est une excellente nouvelle. C'est 62 millions de plus. Ça ne tient même pas compte de tous les autres projets qui sont sur la table, qui ne sont pas rendus à l'étape de l'émission des permis. Donc, on peut constater que notre ville est en pleine expansion, en explosion. Puis, dans le fond, là, si ça peut rassurer les élus et les citoyens, c'est une excellente nouvelle. Oui. Et donc, je tiens à souligner là, l'excellent travail du personnel du service de l'urbanisme, malgré le contexte difficile. Ils ont quand même réussi à mettre la main à la pâte puis de sortir, de délivrer tous ces permis-là. Puis on a une autre bonne nouvelle pour nos citoyens, c'est qu'à compter de la fin du mois, les citoyens vont avoir accès aux permis en ligne. Oui, oui. Donc, il y a plus de détails à venir concernant l'émission de permis en ligne. Merci beaucoup, M. Poirier. Je m'excuse, est-ce que vous allez terminer, M. Poirier? Oui. OK, je voulais pas vous couper la parole. Effectivement, donc, les permis en ligne, vous avez raison, M. Poirier, ça va être une année record. Bravo aux équipes, parce qu'évidemment,
La plupart des projets, c'est des projets de haute densité reconnus par le schéma d'implantation lorsqu'on construit évidemment des tours, des projets de 400, 500, 600 logements. Ça demande beaucoup de planification, alors bravo aux équipes. Alors, je vous écoute, les élus, allez-y. Oui, donc Benoît Beaulieu. Oui, allez-y, M. Beaulieu, on vous entend bien. Excellent. Bon, moi, juste un mot pour dire que je suis très fier là, de la volonté de nos citoyens par rapport au projet du centre sportif. Oui. Je pense qu'on a fait un appel, on a informé les citoyens de la bonne façon. Je suis très heureux, puis on le savait déjà de toute façon que c'était un besoin essentiel. L'enregistrement de la conférence a été arrêté. Est-ce que vous êtes là, la conférence est arrêtée? Non, vous êtes toujours présent, c'est l'enregistrement, je pense. Non, c'est l'enregistrement qui est parti seul, on s'excuse, M. Beaulieu, on vous entend très bien, allez-y. Est-ce que l'enregistrement fonctionne toujours? Oui, absolument, M. Beaulieu. Bon, parfait. Donc, tout ça pour dire que c'est un projet porteur pour tous nos jeunes, pour toutes nos familles, avec, j'en suis convaincu, un avantage indéniable pour la ville. Ce que ça me dit, cependant, c'est que Mme Lassalle et M. Boursier de Brouillon... un peu de politesse, là, quand même, M. Beaulieu. Ça, votre parole, vous le direz. Oui, mais pas être poli, quand même. Mme Lassalle et M. Boursier de Brouillon, quand ils parlent au nom de la population... On comprend que la population pour eux autres, c'est 96 personnes. Donc, dans les faits, quand vous vous exprimez au nom de la population, sachez qu'il y a 96 personnes qui vous écoutent. Il faut comprendre que la majorité des citoyens de Saint-Jérôme, ça faisait longtemps qu'ils voulaient ce projet-là, celui-là et plusieurs autres. Je suis très fier qu'on en soit arrivé à ce constat-là. Merci. Merci, M. Beaulieu. Est-ce que vous voulez répondre immédiatement à Mme Lassalle? Non, je vais laisser M. Beaulieu avec sa réponse, c'est n'importe quoi quand on parle que les gens ont été renseignés. Écoutez, j'ai plein de lignes comme quoi que les gens ont eu de la misère à aller sur le site web, vérifier les avis. Il y avait manqué de sécurité pour les pièces d'identité. Il a fallu répondre. Il y a plein de monde sur Internet qui disait comment faire pour pouvoir aller s'enregistrer. J'ai su à ma plénière qu'il y avait supposément un genre de documents à remplir. Il n'y avait pas de documents à remplir. On m'a dit qu'on pouvait aller à la porte porter un autre document, ce qui n'était pas vrai. Écoutez, j'en ai d'autres comme ça, mais c'est pas grave, là. Quand on dit 96%, 96 personnes qui ont signé, ben là. Et puis en plus, quand on dit là, qu'il y a un parti libéral, là, un parti politique provincial qui a soulevé puis qui a mis en doute la façon de faire, ben là, écoutez, vous voulez quoi de plus? Merci beaucoup. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent s'exprimer? Oui, Gilles Robert. Merci, M. Robert. Alors, comme j'étais absent dans la dernière séance du conseil, puis justement, on a beaucoup parlé de ce projet-là de complexe sportif, comme je suis le conseiller mandataire du dossier des sports, je vais juste faire un court commentaire pour rappeler que ce projet-là est vraiment sérieux et réfléchi. Il repose sur une grande consultation des organismes du milieu. Et on a consulté au niveau du quartier des sports. À ce que je sache, ce complexe-là va être développé dans le quartier des sports, va être un joyau du quartier des sports. Moi, j'étais le conseiller responsable, donc on a participé à plusieurs rencontres de planification avec les principaux utilisateurs potentiels, le club de soccer, les ambassadeurs, le club de gymnastique Zénith, les gens du milieu scolaire, les gens du soccer régional, il y avait des gens de notre service des loisirs, nos consultants, les spécialistes. Et tout le projet s'est développé en fonction des besoins de ces organismes-là qui vont l'utiliser. Alors, moi, je pense que c'était une fausse polémique là, de dire que c'est un projet controversé. Je pense que c'est plutôt un projet rassembleur. Nos jeunes méritent des infrastructures de qualité. La ville de Saint-Jérôme a joué un rôle de leader dans le développement sportif. On avait un retard à rattraper. On est une capitale régionale et on s'inscrit au niveau de la capitale régionale au niveau de nos enjeux sportifs. On encourage la pratique des activités sportives et les saines habitudes de vie.
Ce centre sportif-là va être un atout pour le quartier des sports. Il va y avoir un terrain de soccer intérieur, une palette de gymnastique, des locaux polyvalents, des bureaux pour nos clubs sportifs, des installations sanitaires de qualité, des gradins. Ça va pouvoir être utilisé pour le football, le baseball, les groupes d'adultes. Ça va être un attrait pour les jeunes familles qui vont venir s'installer à Saint-Jérôme. C'est un projet qui est bien planifié. C'est un grand projet. Et moi, j'en suis très fier. Je pense qu'on se doit d'être ambitieux et d'être fier de notre ville. Alors, voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup, bravo, monsieur. Jules, bravo! Merci beaucoup, M. Robert. Oui, pétez les oreilles. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Alors, j'aimerais avoir un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Sophie Saint-Gelais, je propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup à tous. Alors, bonne fin de soirée. Et je rappelle, soyez prudents, s'il vous plaît, au cours des Sophie prochaines semaines. Merci beaucoup. Au revoir. Au mois prochain. Merci. Bonne soirée.